Donc on passe tout de suite à Itissa Mouadi Chouchan, qui est professeur d'espagnol et qui va nous parler d'aventures théâtrales en Espagne, de théâtre marocain, syrien, etc. Merci Dominique. Donc je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque et plus particulièrement Omar qui a accepté ma proposition un peu hors du commun. Et aussi c'est un honneur et un plaisir pour moi de me retrouver ici avec d'éminents spécialistes du théâtre arabe. Donc j'apprécie vraiment les deux jours que nous sommes en train de passer. Alors ma communication porte sur deux auteurs effectivement qui sont également dramaturges et acteurs, qui sont donc Aïcha Yacoubi et Nemer Salamoun. Deux dramaturges entre le monde arabe et l'Espagne. Les crises historiques du XXIe siècle ont engendré de nombreux flux migratoires. Le monde artistique a été fortement chamboulé par cette situation. Le cas du genre théâtral est intéressant, car la production de dramaturges arabes en langue espagnole est assez rare. La production d'auteurs arabes en langue française est beaucoup plus importante. Et donc je me suis intéressée à deux auteurs. Mon corpus est constitué ici de deux pièces parce que ces auteurs présentent deux particularités. Pardon. Ça fait une petite transition avec Daniela. La première particularité est la particularité linguistique, puisque Nemer Salamoun écrit en arabe, il est trilingue, il écrit en arabe, il traduit en espagnol, et parfois il a même proposé des pièces, je ne l'étudierai pas ici, une pièce qui est en arabe et en français. Donc ce sont deux personnages, et en pied de note, il met les traductions. Et le cas de Aïcha Yacoubi, puisque Aïcha Yacoubi est née en Espagne, elle réside actuellement donc au Maroc, à Agadir, elle est enseignante, et elle mélange la langue espagnole et l'arabe dialectal, écrit sous forme de caractère latin, donc nous le verrons. Donc Aïcha Yacoubi, ayant terminé ses études, s'installe au Maroc, comme je le disais, et cette réflexion est intéressante parce qu'elle va mettre en évidence des formes hybrides qui croisent les genres dans les deux pièces. Dans le cas de Nemer Salamoun, je vais m'intéresser à sa pièce « Un rêve borgne » et dans le cas de Aïcha Yacoubi, donc « Rita ». La pièce « Un rêve borgne » est une pièce qui a été publiée en 2016 et quant à Rita en 2010. Alors je dois préciser que Aïcha Yacoubi est également metteur en scène et qu'elle a d'abord monté sa pièce et ensuite elle l'a écrite. Et donc il y a des changements. J'ai aussi des scripts en darija complètement puisque les acteurs sur scène en fait on peut le voir également sur sa page Facebook, s'adresser au public en darija. Donc il y a vraiment un travail de reconstruction a posteriori. Dans le cas de Rita, c'est une pièce, c'est un long monologue d'un personnage déchiré entre plusieurs identités. L'identité masculine, l'identité féminine, c'est très intéressant justement par rapport à la pièce qui a eu lieu hier, Hannah. C'est un personnage également déchiré entre deux espaces identitaires et deux cultures. Un personnage qui souffre de troubles psychiatriques puisque la scène se déroule dans un hôpital psychiatrique. Notre étude portera donc sur les modalités dramaturgiques mises en œuvre dans ce théâtre hybride du point de vue identitaire, du point de vue formel et du point de vue linguistique. Je souhaiterais commencer donc par la pièce de Nemer Salamoun, Un rêve borgne. J'ai intitulé cette partie un conte théâtral ou théâtre conté parce qu'effectivement ici on est dans une hybridation de l'ordre générique. Puisque la pièce met en évidence des aspects qui sont propres au conte, mais également propres au théâtre. Nemer Salamoun est donc syrien et il s'est imprégné en fait, il est venu régulièrement en Europe, à Paris, en Allemagne, en Italie, et à la suite de ses découvertes et des travaux qu'il a pu élaborer dans ces différents pays, il s'est installé en Espagne et il a décidé de porter un nom qui est Dario Paz Orontes, donc un nom espagnol. C'est intéressant parce qu'on a parlé hier de la réflexion autour de l'identité. Qui sont ces auteurs qui sont amenés à quitter leur pays? C'est le cas de Nemer Salamoun en 2011. En raison de la crise syrienne, il n'a pas pu retourner en Espagne. Et donc, il a la double nationalité, syrienne et espagnole. Et parfois, c'est compliqué pour ces auteurs-là de se positionner clairement du point de vue identitaire. Il se dit un étranger né et il considère l'Espagne comme un pays où on se sent un bon étranger nationalisé. Donc il a créé une compagnie en Espagne, il a vraiment élaboré un travail très intéressant et très important donc en Espagne. Également, il a présenté des pièces sous la forme du conteur, d'un hakawati, sur la scène donc des espaces publics.
Monté un certain nombre de pièces, donc pas mal de pièces de Nemal Salamoun sont montées encore actuellement en Espagne, elles sont traduites, et actuellement il réside aux Émirats Arabes Unis, où il travaille en tant que directeur de l'Institut d'art. Dans sa pièce met en œuvre un Hakawati qui est assis sur un bateau et qui raconte une tragédie, celle du décès d'une famille de migrants en mer. Il laisse ensuite la narration entre les mains d'un noyé, un personnage, on est dans une sorte de mise en abîme, qui continue le récit et qui raconte justement, alors qu'il est déjà décédé, les différentes phases qui l'ont amené à périr donc, dans la Méditerranée. Et ce qui est intéressant, c'est que ce récit, le spectateur de ce noyé, est un requin et d'autres poissons. Donc il leur raconte son histoire. Et donc on a un double niveau de narration. Cette dimension de l'ordre du fictionnel est en lien aussi avec la réalité, puisque la spécificité des deux auteurs de mon corpus est qu'ils ont eux-mêmes vécu le phénomène migratoire. Et donc, Nemal Salamoun, dans la dédicace du début de l'œuvre, se réfère ici à son neveu, Ziad Salamoun, qui également a tenté sa chance vers l'Europe et qui a été donc ensuite torturé dans son propre pays. Donc il y a vraiment une dimension politique qui est affirmée chez Nemal Salamoun, où il dénonce clairement, dans les pièces en Espagne, qui d'ailleurs ont été censurées, puisque le gouvernement de droite n'a pas accepté à l'époque la publication d'un certain nombre de ces pièces, qui mettaient en cause la responsabilité de la communauté internationale face au drame des migrants et aux crises qui marquaient le Proche et le Moyen-Orient. Donc je le disais, le Hakawati qui va prendre, donc là vous avez la dramatis personae qui met en évidence différents personnages. Je vais simplement balayer un petit peu les personnages qui me semblent les plus importants. Le Hakawati, bien sûr, qui est présent du début à la fin de la pièce. Et si vous voulez, on a une alternance en fonction des scènes de ce personnage du Hakawati qui commente, lance en fait le conte théâtralisé et qui ensuite laisse la parole progressivement à ce personnage noyé qui par la suite devient un squelette mais continue son récit graduellement. Il est intéressant de constater que les animaux sont animés. Ils viennent donc interroger ce personnage donc, qui est déjà mort. Cette réflexion m'a amené à m'intéresser à la notion de conteur. Ici, je vous mets un petit extrait d'une citation donc, de Pavis qui fait la distinction entre le conteur, le narrateur, ou même parler de didascale, qui est la terminologie qui est utilisée par Monique Martinez, parce qu'elle ne trouvait pas d'équivalent exact au terme de narrateur dans le domaine théâtral, et donc le didascale pour Monique Martinez est cette instance qui est chargée du récit donc dans le théâtre. Ici, Pavis souligne hein, la spécificité aussi du conteur arabe et le contact direct avec le public, nous y reviendrons. Ce qui est intéressant à constater, je parlais de théâtre hybride, mais également de personnages hybrides, puisque le Hakawati est un conteur, mais il est également acteur, c'est un personnage dans la pièce. Tout au long donc, de son récit, il se situe sur un bateau, et donc il va en fait lui-même périr dans la Méditerranée et être rescapé. En réalité, tous les personnages humains sont morts dans la pièce, mis à part le Hakawati qui parvient à être un peu survivant, et le reste ce sont des animaux qui eux sont animés et interrogent un petit peu les corps qui apparaissent donc dans la Méditerranée. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que du point de vue, on a pas mal d'éléments qui sont propres à l'intertextualité arabe. Si vous voulez, Nemal Salamoun se situe entre l'Orient et l'Occident. Je me réfère ici à la notion du temps qui est intéressante, puisque si dans le cas des Mille et une nuits, le temps est un allié pour Scheherazade, donc au fur et à mesure de son récit, elle peut continuer à vivre, et bien dans la pièce ici, c'est l'inverse, puisque le personnage, le cadavre a beau raconter, et d'ailleurs il est sollicité par le requin qui lui dit « mais continue ton récit », et de manière très ironique, il y a un humour un peu mordant aussi qui est propre à Nemal Salamoun, il lui indique que « tu as beau raconter, tu es déjà mort ». Donc il y a cette fatalité qui est propre à la tragédie du drame de l'immigration. Autre élément intéressant qu'on retrouve déjà chez le Caragos, c'est-à-dire c'est l'interpellation au public, qui est très importante dans le théâtre arabe, et que l'on retrouve aussi ici avec le Hakawati, qui interpelle le public par rapport à ce drame, et qui met en évidence justement cette réflexion très politique par rapport à ce qui se passe donc en Syrie. Donc je revenais ici sur la notion de conteur aussi, qui est très importante, une citation à nouveau de Pavis, qui insistait sur la dimension d'interpellation au public
et la rupture du quatrième mur comme étant un outil pour justement s'adresser à son auditoire. Alors, cette perspective qui est de théâtre conté, où on exploite la narrativité, etc., n'est pas nouvelle, hein, puisqu'elle a été déjà développée par Tawfiq el-Hakim. Néanmoins, elle prend une forme tout à fait différente, puisqu'on retrouve pas mal d'éléments qui sont propres également au théâtre alternativo espagnol, dont s'imprègne aussi donc Nimer Salamone. Et puis, je parlais tout à l'heure de cette hybridité aussi, qui est perceptible du point de vue de l'intertextualité. C'est le cas avec les Mille et une nuits. On a deux éléments qui vont en quelque sorte favoriser ces liens, qui marquent clairement l'engagement de Nimer Salamone, qui sont l'autofiction et puis également l'humour, donc je vous en parlais. Je passe maintenant à une autre forme d'hybridité, l'hybridité identitaire, l'éclatement de la frontière entre le genre masculin et le genre féminin. C'est cet élément qui est au cœur de la pièce Rita de Aïcha Yacoubi. Donc, ce qui est intéressant de constater, c'est que cette hybridité met en place un certain nombre de renflous, si vous voulez, la distinction entre genre masculin et féminin. Plus clairement, dès le début de la pièce, on a des problèmes pour savoir si Rita est un homme ou une femme. Parfois, on a le genre masculin qui est utilisé, et très vite, on a un certain nombre de confusions qui sont mises en place. Donc, on a un véritable jeu sur l'identité qui est à l'œuvre tout au long de la pièce. Ici, je vous ai mis un court passage où on a un échange entre Rita adulte, qui en réalité est Mehdi, donc parce que l'histoire explique, donc c'est l'histoire d'un homme qui est dans un hôpital psychiatrique, qui souffre de troubles en raison de la mort de sa petite sœur, qui a été noyée dans un fleuve. Et depuis cette période-là, il se fait prénommer Rita psychologiquement. Donc ici, on voit bien Rita fille, qui correspond donc à la petite. Hein, donc on a un travail sur tout ce qui est aussi trauma et émergence de cette réflexion autour de l'identité. Et Rita tout simplement, qui en réalité est Mehdi. Cette complexité identitaire amène même des confusions vers la fin de la pièce entre Mehdi, Rita et la mère. Parce que la mère a dû, si vous voulez, il y a aussi une référence qui est liée à l'Espagne franquiste, période qu'a connue Aïcha Yacoubi, puisqu'elle a vécu en Espagne, et le trauma identitaire qu'elle a pu vivre à cette époque-là, en particulier les viols que certaines femmes avaient subis de la part des troupes franquistes, etc. Et donc on a toute une histoire qui est organisée autour de cette réflexion identitaire, et en particulier de la place des femmes. Donc ici, dans cet extrait, on a une confusion entre Mehdi, Rita et la mère. Et parfois, c'est compliqué de pouvoir suivre le récit, si vous voulez. Donc cette complexité, elle a engendré, si vous voulez, des problèmes du point de vue de la mise en scène. Aïcha Yacoubi a elle-même monté sa pièce, je vous l'expliquais. On a d'abord eu, si vous voulez, la pièce représentée et ensuite l'écriture. Et elle avait choisi pour sa représentation deux actrices marocaines et un acteur, donc qui se sont relayés. Dans le cas de Eduardo Oca Mouton, il avait fait le choix, c'est un metteur en scène brésilien, de prendre 12 acteurs pour pouvoir représenter cette complexité identitaire. Par ailleurs, cette réflexion identitaire, je vous le disais, elle est hybride également du point de vue linguistique. On trouve, là je vous ai mis un extrait, donc là, ce qui apparaît en français, c'est normalement en espagnol dans le texte, donc je l'ai traduit pour que ça puisse être plus clair pour vous. Et donc, elle met en darija, alors donc, kudoub, ma ken chesrok, ken khemj, donc c'est un mensonge, les pastèques n'étaient pas volées, elles étaient pourries, comme vous l'avez ici, donc on a vraiment une redite, et Aïcha Yacoubi, avec qui j'ai échangé, m'a expliqué que, lors de la mise en scène, eh bien, le texte était intégralement en darija pour la réception du public. Autre élément important, c'est la réflexion, nous en avons parlé aussi, sur les femmes, puisqu'effectivement, on a aussi à travers ce personnage de Rita une remise en cause de la société patriarcale. Et puis, une hybridité aussi du point de vue de l'espace, parce que on a des éléments qui sont propres, avec la référence à une voix off, une présence d'écran également. Je vous mets ici un autre passage, Rita à l'écran. On a une démultiplication de cette Rita, si vous voulez, sous diverses formes. Parfois c'est une poupée, parfois elle est projetée à l'écran, etc., etc. Et pour quelle raison? Eh bien, cette raison, elle apparaît à la fin de la pièce, vous avez ici l'extrait, c'est, je vous cite, je vous l'ai mis en blanc, c'est vrai aussi
que j'ai essayé de libérer ma parole, mon cri de ce joug cosmique et de toute cette merde dont nous avons hérité. Il s'agit ici pour Aïcha Yacoubi de parler d'une période qui a fortement marqué les Marocains qui étaient donc en Espagne, et il y avait, si vous voulez, un silence, un non-dit par rapport à cette notion de mémoire historique aussi qui est passée sous silence encore aujourd'hui en Espagne. Pour conclure, je souhaiterais terminer avec une citation donc, de José Saramagon sur la notion, une réflexion sur la marginalisation et plus particulièrement sur la notion identitaire. L'identité d'une personne n'est pas le nom qu'elle porte, le lieu où elle est née ou la date à laquelle elle est venue au monde. L'identité d'une personne consiste simplement à être, et l'être ne peut être nié. Merci à vous. Voilà.